Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble les logs de sondage. Donc pour charger un log de sondage, il faut faire pratiquement deux choses. Il faut charger les données et créer une feuille. Donc pour charger les données, simplement cliquez sur Données. Ensuite, par défaut, vous avez le nom de votre log de sondage, c'est sondage numéro 1. Vous pouvez bien sûr changer le nom. Vous avez la date d'ici et le calque. Et vous pouvez charger des photos des caisses, les photos des caisses et le niveau de la nappe d'eau. Donc, pour charger les photos des caisses, appuyez sur ce bouton-là. Voilà. Ensuite, cliquez sur cette zone. Simplement, choisissez les photos que vous voulez, par exemple la caisse numéro 1. Donc c'est caisse numéro 1 entre par exemple 0 et 0 mètres et 5 mètres. Voilà. Vous pouvez ajouter une autre caisse 2. Entre profondeur entre 5 mètres et 10 mètres. Voilà. La nappe d'eau, par exemple, 6 mètres. Puis, chargez simplement les descriptions ou bien la lithologie de votre sondage. Donc, par exemple, jusqu'à la profondeur de 3 mètres, on a par exemple un argile sableux, couleur jaune, par exemple. Vous pouvez changer texture, donc vous avez une bibliothèque de textures, par exemple celle-là. Ensuite, jusqu'à 6 mètres, par exemple, argile, argile, excusez-moi. Gilles, par exemple, argile graveleuse, graveleuse, couleur, par exemple, marron. Voilà. Par exemple, celle-là. Ensuite, jusqu'à 10 mètres, par exemple. Je ne sais pas, on porte par exemple le sable. Puis ajouter. Donc vous pouvez simplement modifier les données. Donc pour le faire, cliquez sur Données, ensuite sélectionnez votre sondage et faites les modifications que vous voulez. Voilà. Donc l'étape numéro 2, il faut charger une feuille. Donc cliquez sur Feuille. Ensuite, Civila va afficher automatiquement tous les sondages ou bien les logs de sondage que vous avez. Choisissez l'un des logs de sondage et appuyez sur Ajouter. Donc, pour l'afficher, cliquez ici, puis voilà. Donc, vous voyez que on a ajouté log de sondage. Donc, pour les données de projet, simplement cliquez ici sur le menu Civilab, ensuite Données générales, et ajouter par exemple l'entité de projet, par exemple CEM, je ne sais pas, BAS5, Média. Numéro de dossier par exemple. Le client. Ainsi de suite. Puis valider. Voilà.
Voilà. La même chose pour votre en-tête. Vous pouvez la charger depuis ici. Voilà. Donc pour imprimer, cliquez sur imprimer. Choisissez l'imprimante puis appuyez sur OK. Et vous pouvez bien sûr exporter les résultats sous forme de d'une image. Donc par exemple celle-là. Donc voilà. Voilà. Voilà notre Loctson. Et merci pour votre attention.